Hey, what's up gamers et gameuses, c'est Londo. Bienvenue pour cette vidéo particulière car en fait il s'agira d'une vidéo pack opening de League of Legends. Donc nous allons ouvrir ensemble 7 coffres ex-tech pour le modique somme de 10 euros environ. Hein. Au pire, si encore on a envie d'en ouvrir, j'en ouvrirai encore avec le reste de RP qui me reste. Objectif de ce pack opening, atteindre les 500 essences pour pouvoir déverrouiller Masteries 6 avec Tryndamere. Allez, on commence tout de suite avec le premier. En espérant que j'ai de la chance et que je tombe sur un champion. Pas dégueu en soi. Coffre suivant. Oh putain, pas du tout dégueu. Dommage, je ne joue pas Fiora. En plus, je pourrais le dévoyer, mais je peux pas parce que j'ai pas de champion. Alors, suivant. Qu'est-ce que je vais avoir? Ouais, Darius. J'ai pas le champion non plus. Là, parce que j'ai plus de champion sur ce compte. Alors, d'ailleurs, vous pouvez m'ajouter sur les veillées. Ok. Donc, déjà ça. Gens enchantés, voilà. Usage des gens enchantés, comme ça je peux faire ça. Hop, hop. Yeah, j'ai Masteries 6 Tryndamere. Oh, ça fait du bien. Bah voilà, j'ai le but de cette vidéo. Il était d'avoir Masteries 6 Tryndamere. Qu'est-ce que je vais avoir? Mordekaiser, j'ai déjà. Non, on va attendre. Quoique, je vais éviter de relancer les champions parce que la dernière fois que j'ai relancé, j'ai reçu un petit Alistar. Quelle vie, putain. Non mais là s'il te plaît Riot, j'en ai marre, j'ai plus envie de champion, please. Putain, non. Putain, j'ai 4 champions et 3 secondes. En plus, il y a peut-être que... Attends. Je vais acheter ce champion qui revient, écoute. Oh putain, en plus j'ai pas assez d'RP pour acheter. Ok, c'est un fragment. Qu'est-ce qu'on fait? On va racheter les coffres. Hein. Allez. On va racheter 2 coffres. Pour le fun. Voilà. Allez. Putain! Zach quoi! Dans quel monde? Putain, dites-moi que j'ai que de machin. Oh! Ah, ça va. Qu'on planque. Franchement, ça va. Donc ce qu'on s'en fout. Le skin ne coûte pas cher. Donc on va reroll en fait. Peut-être qu'on va garder Zach. Allez, on reroll ces 3 là. En espérant j'ai un bon skin. Putain, si je tombe sur Fiora, quoi c'est le coup. Ok, pas dégueu. Varus, ça va, c'est pas dégueu du tout. J'ai pas le champion. Ça j'ai pas le champion, mais il faudrait peut-être que je garde. Dès que là je vais relancer pour voir un champion ou non un skin plutôt en espérant se voir pas dégueu sauf que je joue plus je ne joue plus Jarvan. Et donc bilan de ce pack opening donc de environ 9 coffres l'objectif a été d'avoir Tryndamere niveau 6, donc ça va, c'est pas dégueu en soi. Donc j'ai eu un champion que j'aime bien, donc Varus. Je vais pouvoir enfin peut-être jouer soit à des carrés avec, soit pas du tout. Plus ce skin de Varus, c'est pas dégueu non plus. Donc franchement, je suis content. J'ai eu Tryndaflare. Voilà. Et Tryndamere qui est mon main. Allez, ils me disent quoi? Décrocher au moins la note S pour gagner un jeton. Ma solution est combinée. Ok, oh ça va, c'est easy. Donc en soi. Voilà. Comme ça, je peux être sûr. Enfin, je crois que je peux débloquer Tryndamere 7 quand je vais
3S en plus. Et donc voilà, c'est ce qui va clore cette vidéo. Oh putain, c'est un bugué. C'est ce qui va clore cette vidéo. Donc merci d'avoir regardé, même si c'est une vidéo pas trop... c'est une vidéo pas trop intuitive, pas trop, c'est juste pour le fun. Donc bilan des courses, je réussis à avoir mon objectif, donc train de la mer niveau 6, mastery 6. Moi j'ai eu Varus, c'est pas dégueu. J'ai eu quoi, j'ai eu Jarvan, chasseur de dragon, on va dire que c'est pas dégueu. J'aime bien ce skin, c'est un des plus beaux skins de Jarvan, et vu que j'en avais pas encore sur Jarvan, voilà. D'ailleurs le champion, attendez, on va aller voir les skins que j'ai. Skin. Ouais, champion possédé. Donc on va voir un petit peu les signes que j'ai. Donc ouais, bon, j'ai Captain Grand Plan, c'est normal, c'est gratuit. J'ai tu cette fête voilà à tir. J'ai Shaco Joker. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme skin? Akumi Toydir. Ouais, ça va, j'ai Yasuo de l'Ouest. C'est pas dégueu. J'ai Kaiosa et Terry, merci Riot, c'est eux qui m'ont donné. Ah tiens, on peut acheter Olaf Batakil, ça je ne savais pas. Je n'étais pas au courant. Donc ouais, j'ai Samurai Shen, c'est aussi avec Pack Opening que je l'ai eu. Oh, je savais même pas que j'avais acheté, que j'avais lu. Parce qu'il y a... Putain, mais franchement, les nouveaux Splash Arts, ils sont pas du tout dégueulasse sur certaines personnes. Ok, je savais même pas que j'avais un skin sur Chuga quoi. J'ai quoi d'autre? Ouais, j'en ai peu quoi. Bon, maintenant j'ai Jarvan, ça va. Ok, Garen, donc ça c'est gratuit. J'ai quoi d'autre comme skin? Allez, pas dégueu, franchement, les nouveaux Splash Arts sont pas du tout dégueulasses du tout. Donc ouais, j'ai Grand Plank, Mutman, donc Fumlicière, Rotrine de la Mer, c'est normal. Tu sais, cette Fate Valley de Cure, c'est normal. J'ai même pas vu. J'ai le skin ultime de vie. Donc le skin légendaire de vie. Ouais, il me manque juste à acheter ces deux-là, mais celui-là il est dégueulasse et celui-là bof bof, donc j'achèterai pas le premier skin que j'ai acheté, celui-là. Enfin bref, donc merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Dr. Lander, ou Lander comme vous préférez. C'était une vidéo fun, lol, donc bilan des courses, j'ai eu un skin pas dégueulasse, Jarvan, deuxième skin. J'ai déjà plus. Non, j'ai eu un champion Varus, ouais, c'était pas dégueulasse ça non plus. Et j'ai le Mastery 6, donc l'objectif de cette vidéo c'était d'avoir le Mastery 6. Train de la mer. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à liker, partager, commenter la vidéo et surtout de t'abonner. C'était Lander. Allez, peace tout le monde.